voilà près de 35 ans que l'on croise Claude-Éric Poirou dans le centre-ville d'Angers, et plus particulièrement aux abords du cinéma Les 400 Coups. Ce complexe d'art et essai qu'il a créé et qu'il dirige témoigne de son amour fou du cinéma. Claude-Éric Poirou a vécu 10 vies, animateur de ciné-club, producteur, distributeur, exploitant. Ce cinéphile incollable n'a de cesse de partager, transmettre le cinéma et donner, si besoin, un coup de pouce aux cinéastes. C'est l'esprit et le sens du festival Premier Plan qu'il a fondé en 1989. Grâce à lui, chaque année en janvier, Angers devient la capitale du jeune cinéma. Également au sommaire de ce numéro d'Artothèque. La création... C'est quelque chose d'universel. C'est une liberté d'expression, c'est la jeunesse éternelle. Je dois proposer un équilibre entre lumière, danse, scénographie. Le graphisme et les dessins vont permettre d'adoucir un petit peu le texte. C'était vraiment de la couleur complètement injectée en perfusion dans mes mots. Le beatbox, c'est de la musique et c'est un art à part entière. Nous sommes au cinéma Les 400 Coups. C'est votre cinéma, Claude-Éric Poirou. On est chez vous ici. Je me sens chez moi, ça c'est vrai. Même si, effectivement, j'y vis pas tous les jours. Mais j'ai toujours quand même dans l'esprit ce qui s'y passe. J'en connais les résultats, je regarde les films qui passent. Je suis au courant du personnel, je suis au courant des événements qu'il y a. Donc pour moi, c'est un petit peu un quotidien avec lequel je vis sans pour autant y être. Voilà, donc quand je suis ici, je suis encore plus heureux parce qu'effectivement, je me repère assez facilement. Vous avez été caissier ? J'ai été caissier quand j'ai démarré, bien sûr, oui. J'ai tout fait quand j'ai démarré. Je balayais sur toute la salle et je faisais la caisse et la projection. Ouais. Quand on commence, il faut tout faire. Quand on vous dit qu'est-ce que vous faites comme métier, vous répondez quoi ? Il y a quelque chose dans ce métier qui est que quand vous avez été producteur une fois, après on dit toujours que on met toujours producteur. Voilà. Au César, je suis toujours marqué producteur. Maintenant, je ne le suis plus. Je suis exploitant, je m'occupe de salles de cinéma dans le monde, je suis patron d'un festival. Bon, on ne peut pas mettre tout ça sur un passeport. Donc, on met distributeur de films, voilà. 400 coups, c'est un titre évidemment emprunté à François Truffaut. D'abord, j'aime beaucoup ce film. C'est un premier film. J'aime le sens, un peu rebelle comme ça, et en même temps aussi une espèce d'ouverture, quoi. C'est des débuts. Vous avez demandé à Truffaut son autorisation ? Oui, bien sûr. Ben oui, je lui ai demandé, j'ai envoyé une lettre. Il m'a répondu, et le jour de l'inauguration, il n'a pas pu venir parce qu'il était en train de préparer le tournage de son dernier film, d'ailleurs. Mais il m'a envoyé un télégramme. Il m'a dit, vous savez, ce que vous faites, c'est formidable. Parce que moi, j'ai fait un film, et vous savez, un film, c'est éphémère. Mais vous, vous allez construire une salle. Et ça, une salle, ça reste longtemps. Alors que le film n'est pas resté comme chacun sait. Voilà. Depuis le début, donc, c'est un cinéma qui fait vivre un quartier. C'est un cinéma dynamique, comme on dit. Ah oui, d'autant plus que quand on est arrivé dans ce quartier, c'était un entrepôt ici, un entrepôt qui était fermé et que j'ai racheté à l'époque pour une bouchée de pain parce que c'était un quartier qui n'était pas le quartier aimé d'Angers. Et puis tout s'est reconcentré ici. J'ai fait le calcul, d'ailleurs, dans un rayon de 150 mètres, il y a 32 bars et 23 restaurants. Ah oui, donc et, ça a créé, effectivement, voilà. Ça a créé un véritable quartier. Ouais. Comment le cinéma comme celui-ci résiste-t-il face aux multiplex qui font florès dans les proches banlieues des villes? Ce qu'il faut faire, c'est faire ce que l'autre ne fait pas. Donc effectivement, ici, on s'est positionné. On est un cinéma d'art et d'essai, on est un cinéma d'auteur. On fait de la version originale en permanence, on reçoit des réalisateurs, on a un vrai travail d'animation. Ce qui est effectivement un peu différent de ce que fait le Pathé, qui lui aussi projette des films, sont des collègues, mais aussi des concurrents. Donc c'est vrai qu'il y a eu des périodes difficiles dans l'histoire. On a vu des salles indépendantes, et encore aujourd'hui, qui ont des difficultés face à ce qu'on dirait la grande exploitation. Donc ça, c'est un peu le... Cinéma, art et essai, ça a un sens encore aujourd'hui. Ça veut dire quelque chose, ça signifie quelque chose. Ah oui, oui. Oui, je pense que le public, bon, c'est un mot un peu... On ne l'interroge pas tous les matins quand on se lève, mais art et essai, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est à la fois bon, quelque chose qui peut être abouti, en même temps quelque chose qui est un peu une tentative. Et c'est vrai que c'est surtout le signe d'une grande diversité. Je crois qu'on doit passer cette semaine-ci 23, 25 films. Donc aujourd'hui, et puis de tous les pays du monde, les gens sont curieux quand même, et le cinéma, ça rend curieux. À la limite, on vient voir un film et on n'a pas de place, et finalement on ira voir un autre, c'est pas si grave que ça. Donc soit c'est précisément ça qui fait un peu le mouvement aussi, et puis on vient là, et puis on y restera, de toute façon on y verra un film. À Angers, la plateforme du Quai est l'un des meilleurs spots pour admirer la ville.
Située face au château du roi René et au bord de la Maine, cette terrasse est à la fois un lieu pour admirer le panorama et une scène improvisée avec vue. Pour Artothèque, Aouir Léon prend possession du lieu. Depuis 1989, Premier Plan fait découvrir les nouveaux talents du cinéma européen. La rencontre entre le public et les cinéastes d'une même génération marque l'identité du festival. Premier Plan, c'est l'histoire et le patrimoine du cinéma, avec des rétrospectives et des hommages. C'est aussi un rendez-vous unique pour les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel européen. Chaque année, ils sont 700 à venir au festival. Lieu de rencontres, de colloques, de lectures, Premier Plan est aussi un véritable succès public, avec ses 86 000 entrées en 2018, dont plus d'un tiers sont des spectateurs de moins de 25 ans. Alors évidemment, une salle de cinéma, pour parler de votre cinéphilie, de votre vie, il n'y a pas mieux. Votre premier souvenir de cinéma, c'est quoi ? Plutôt tardif, en vérité, c'est-à-dire pas avant 11 ans. Je crois que j'étais jamais allé au cinéma avant 11 ans, parce que j'étais dans un milieu modeste qui n'était pas particulièrement tourné vers la culture et qui n'avait pas le temps ni les moyens. Donc, en l'occurrence, c'est quand je suis rentré dans un internat, et là, je suis tombé sur un professeur qui avait un appareil 16 mm, qui avait une affiliation à un ciné-club, et donc j'ai commencé à voir des films. Un jour, là c'était donc dans le secondaire quand même, c'est un événement important pour moi, il était allé voir le Doulos de Jean-Pierre Melville à Nantes. Et le lendemain, il nous en a parlé. Pourquoi ? Parce qu'il avait enregistré Serge Reggiani, qui était venu le présenter. Et le matin, donc, on a écouté ce professeur nous raconter ce film, bon, avec Belmondo, Reggiani, etc. Et surtout, avec son petit magnétophone à bobineau là, qui tourne, voilà. L'interview. Il nous a fait écouter Reggiani. Et là, pour moi, ça a été mais quelque chose de... Je me suis dit, mais c'est vrai. Non seulement on peut aller voir des films, mais en plus, on peut parler avec des gens qui sortent de l'image et qui viennent vous en parler à côté. Et c'est un petit peu ça qui a généré à peu près tout ce qui s'est passé après. Quoi. Je me suis dit, voilà, c'est tout un monde. Déjà dans l'écran, c'est un monde. Et puis ensuite, après, on peut rencontrer les gens, rencontrer les acteurs, rencontrer les réalisateurs, en faire une histoire. Et puis, pendant les vacances, quand je revenais au Sable d'Olonne, j'avais la possibilité, et c'est là que ça m'a pris, d'aller au cinéma voir des films dans des vraies salles. C'est tous azimuts, la découverte. Hein, oui. Tels qu'ils arrivent. Plutôt très populaire, d'ailleurs, oui. Ça pouvait être Bénur, ça pouvait être Les Canons de Navarone, ça pouvait être Le Cid, ça pouvait être... Voilà, tout ce qui passait. Qu'est-ce que le fanatique. Jeune cinéaste, spectateur ressentait ? Vous vous souvenez de ces émotions premières ? Le cinéma, pour moi, ça a été une ouverture, ça a été voyager, découvrir. Et je ne sais pas, c'est quelque chose qui est... D'ailleurs, c'est resté pour moi, je vois toujours le cinéma comme ça. C'est
une heure et demie d'aventure, on quitte sa vie, on rentre dans une autre. Et puis celle-là, elle est quand même impressionnante parce qu'elle est pensée, elle est structurée, il n'y a pas de hasard, tout est préparé, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et donc à partir de ça, moi je rentre dans quelque chose qui est sans doute une partie un peu rêvée, mais réelle de ma vie, quoi. Vous êtes un transmetteur, vous, aujourd'hui ? On peut dire ça, oui. On peut dire oui. ça. Mmh. Mais vous avez rencontré des gens qui vous ont transmis aussi. Oui. Bah, disons que ce professeur dont je parle, ensuite après, je m'étais mis aussi à lire des revues, à l'époque les Quais du cinéma ou la Revue du cinéma, des choses comme ça. Et puis, je m'étais aussi rendu compte qu'il y avait quelqu'un que je ne connaissais pas, qui s'appelle Jean Doucher, qui est quelqu'un qui est un homme important, qui était créateur avec Rivette et Romère et Godard et Truffaut des Quais du cinéma. Et c'était quelqu'un qui parlait du cinéma de façon très... très brillante, très personnelle. Et j'étais content, quoi. J'étais heureux de lire ce qu'il écrivait. Donc c'était aussi un peu secret. Hein. C'est un monsieur que je ne connaissais pas, dont je lisais les textes. Et puis un jour, je l'ai rencontré. Je suis devenu ami avec lui. J'ai même habité pendant un an chez lui à Paris. C'est quelqu'un qui est devenu... Qui a compté. Peu, qui a compté pour moi. Un peu comme André Bazin s'est mis à compter beaucoup pour Critique François Truffaut. Critique de cinéma originaire de la oui, région. Oui, qui est né il y a 100 ans. Pas assez connu. Très connu à l'international. Aujourd'hui, vous parlez à Scorsese d'André Bazin, il sait qui c'est, parce que c'est lui qui a fait découvrir le cinéma français des années 50 dans le monde entier. Mmh. Et des gens en Chine, des gens aux États-Unis, au Japon, lisaient André Bazin qui était traduit. Et en France, il est effectivement un peu moins connu, bizarrement. Et vous lui rendez hommage, finalement, à travers le festival Premier Plan. Oui, parce qu'il était important pour François Truffaut aussi. Mmh. C'est lui qui a élevé François Truffaut. Et donc, tout ça, c'est un peu une famille. Pour The Blind Sons, l'horizon est aujourd'hui devenu un rivage lointain. Le duo angevin, né en 2014, a su faire entendre ses riffs tendus jusqu'à Austin, au Texas. Les tournées aux États-Unis et en Angleterre se multiplient, mais l'esprit rock, surf et psyché de Romain et Dorota voyage aussi en France. Pour Artotech, The Blind Sons revient sur la petite scène de leur début, au Jokers, un bar rock du centre-ville d'Angers. On a fait un road trip d'Austin au Texas à LA, en Californie. On arrive dans un petit bar qui s'appelle Lost Horse. À Marfa. À Marfa. On part de Marfa. Marfa, c'est au fin fond du Texas. Et on tombe sur un espèce de cow-boy borgne. Comme ça. Et du coup, il a les mains sales, il a le jean complètement crade. Et il nous dit, il y a une petite scène au fond, allez-y. Il y a les instruments qui traînent là dans la cave. Allez, montez la batterie, les guitares et faites-nous un set. Et là, on joue le morceau, et puis il n'y a que des vieux cow-boys dans le fin fond du Texas, ils sont là, ah, les petits Frenchies, ils sont pas si mal. C'est incroyable. Plus on va aux États-Unis, plus aussi ça déteint sur nous cette espèce de... Liberté totalement, c'est American Dream. Donc, oui. Plus on va aux États-Unis, plus on se libère. Et on a cette espèce de culture aussi du show. Quoi. Donc, un concert, c'est ça, c'est un spectacle. C'est pas venu comme ça directement. On a construit des gestes, des choses que le corps se libère au fur et à mesure, à force de tourner. C'est aussi en observant d'autres artistes qui me touchent personnellement, qui me font rêver, que j'ai envie de me dire. Enfin voilà, vas-y, faut pas avoir honte de bouger également en jouant, en chantant. C'est très communicatif au final. Ça a toujours été notre force, en fait, d'être à deux. Depuis tout début, on vit la musique, on respire la musique, ça nous entoure, c'est notre quotidien. Et puis aujourd'hui, on ne peut plus vraiment s'en séparer, ça nous a complètement... On est complètement imprégnés aujourd'hui. C'est une liberté d'expression, c'est une liberté tout court, c'est la jeunesse éternelle. C'est,
bah voilà, entretenir, maintenir ces rêves de gosses aussi qu'on a tous chacun en nous quand on est petit. En tout cas, la création artistique, ça a quelque chose d'universel. On monte sur scène, hélas, on est quelqu'un de différent et on communique avec un peu toutes les religions, tous les peuples. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire et ça nous permet de vraiment nous immiscer dans les cultures à chaque fois qu'on se déplace. Et ça, c'est une vraie chance. Ouais, ça rajoute des paillettes dans le quotidien, de la couleur, de la paillette, ouais. Des petites flammes. Arnaud Desplechin qui est là, Victoria Abril, bon, Agnès Varda, évidemment, qui est venue souvent. Qui est-ce? Karine Viard. Là, Karine Viard. Oui, Karine Viard. Je pense que c'est Lambert Wilson. Non, c'est pas Lambert. Alors, à ce moment-là... Oh, non, c'est peut-être... Depardieu. C'est Guillaume Depardieu. Voilà, c'est Guillaume Depardieu, absolument. Claude-Éric Poirot, nous sommes en face du cinéma Les 400 coups, dans les bureaux du Festival Premier Plan d'Angers. C'est un peu le bazar, un joli bazar, j'ai envie de dire, avec plein de photos. Ben, c'est des photos rassemblées pour la publication du livre du 30e anniversaire. Donc c'est 30 ans d'histoire depuis 89. Et à chaque photo, évidemment, un voire plusieurs souvenirs. Là, l'acteur, cinéaste Jean-François Stévenin. Première année. On reconnaît à peine, mais quand même là. C'est Melville Poupeau avec Julie Gayet. Oui. Depardieu, Nathalie Baye et alors ça, c'était et Piala. Oui, c'était Piala, une soirée historique, effectivement. Maurice Piala est venu, alors que c'était quelqu'un qui ne se déplaçait pas beaucoup. Et Depardieu et Nathalie Baye sont venus le retrouver. Et sur scène, là, ils ont fait quelque chose de magnifique. D'ailleurs, il y a eu à ce moment-là une phrase qui m'a beaucoup touché. Et il a dit au public, et à Depardieu et à Nathalie Baye, il dit: le cinéma, j'y suis rentré trop tard et j'en partirai trop tôt. Waouh. Un an à sa mort. Exactement un an à sa mort. Magnifique phrase. Ouais, très belle phrase. Magnifique phrase. Ouais. Alors, des photos, ce sont évidemment des souvenirs, des pages qui se tournent, hein, oui. D'une édition à l'autre. Ce festival, cette histoire, elle commence quand vous décidez de créer un endroit où les cinéastes viendraient présenter leur premier film. Ça ne s'appelle pas Premier Plan par hasard. Voilà, c'était l'idée. L'idée de parler des débutants. Tous les festivals, à un moment ou à un autre, ils passent des premiers films. Mais aucun festival ne se consacrait qu'à ça. Donc c'est un petit peu l'idée, la nouveauté qu'on a eue. Et je crois qu'on est resté le seul festival au monde à passer que des premiers films. Mais il y a 30 ans, on connaissait le cinéma russe, on connaissait le cinéma américain, à la limite le cinéma indien, Bollywood. Le cinéma européen, il n'existait pas. C'est vous qui l'avez presque inventé. Et c'est vrai que nous, on a lancé le festival Premier Plan au moment aussi où l'Europe était en train de se lancer sur des projets un peu plus culturels qu'économiques. C'est pas un hasard s'il y a une photo. Là, j'ai vu une photo de Simone Veil présente au festival d'Angers. Elle est venue inaugurer. Vous vous rendez compte, c'était la présidente du Parlement européen. Et c'était la toute première séance. Je l'ai invitée, elle est venue. Donc elle avait accordé de l'importance à cet événement qui voulait effectivement montrer la jeunesse du cinéma européen, faire quelque chose qui soit une vitrine un peu. C'est quoi la typologie du cinéma européen, alors pour le coup, aujourd'hui? Ben, disons que la chance qu'on a, c'est qu'on est fait de multiples pays. Et ces multiples pays ont des cultures, et des images aussi, des traditions. Et c'est vrai que ça donne une diversité qu'il y a nulle part au monde. Et puis il y a quand même une trentaine, une quarantaine de pays si on prend la grande Europe. Et nous, on veille à ce que précisément on trouve dans chacun de ces pays des jeunes cinéastes qui ont une renommée naissante, hein, on ne les connaît absolument pas, et qui peu à peu vont peut-être devenir aussi les grands représentants du cinéma européen en Europe et dans le monde. Je me souviens de Matteo Garrone, par exemple, le réalisateur de Gomorra. Il est venu ici à Angers. Même, je crois, mes amis italiens producteurs ou distributeurs dans le métier ne le connaissaient pas. Et on l'avait repéré et il était venu présenter son premier film ici. La première fois qu'on approche le festival, c'est à travers une affiche. Aujourd'hui, c'est Facebook, c'est Internet. Quand ces affiches, elles sont superbes. Donc, il y en a 30, hein, 31 maintenant. Comment on fait pour attirer autant de jeunes, de moins de 25 ans, un tiers de votre public, je crois,
Comment on fait pour les attirer au cinéma ? On s'entoure des professeurs, des chefs d'établissement, beaucoup de gens qui sont très heureux aussi d'avoir cette qualité et cette offre-là, parce qu'on s'adapte aussi à eux, on fait des séances qui sont des séances bien ouvertes, on les présente, ils rencontrent des réalisateurs. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gamins qui viennent peut-être pas de leur propre gré, parce qu'ils viennent dans... Mais c'est le premier pas qui compte. Mais voilà, parce que... Et puis, vous savez, c'est pas parce qu'ils n'ont pas choisi le film qu'ils vont pas l'aimer. Et puis, c'est pas parce qu'il n'y a pas des stars et qu'ils connaissent pas qu'ils vont pas aimer. Un film est un film, on rentre dans une histoire à chaque fois. Issue de la danse hip-hop, Amala Dianor a été formée à la danse contemporaine au CNDC d'Angers. Depuis ses débuts, il danse pour des chorégraphes aux univers très différents. Néoclassique, contemporain, afro. Désormais chorégraphe, on lui doit un quatuor féminin parallèle et un trio masculin, quelque part au milieu de l'infini. À chaque nouvelle pièce, une quête, un credo, le mystère des êtres et de leurs rencontres. La dernière création d'Amala Dianor pour 9 interprètes s'intitule « The Falling Stardust ». C'est au Quai d'Angers que cette pièce a été en partie chorégraphiée. C'est un projet avec des danseurs classiques et l'idée, c'est pour moi d'amener justement la technique classique que tout le monde connaît, tout le monde a une idée de ce qu'est la danse classique. Moi, ce que je souhaitais, c'est essayer de déplacer justement les lignes, voir si un danseur qui est au service d'une chorégraphie, d'une histoire peut-être, si ce danseur-là se détache de sa technique virtuose. Comment est-ce qu'il se révèle autrement sur un terrain un peu plus fragile où finalement la technique n'est plus importante, mais c'est l'interprète plutôt qui se révèle. Et pour ça, j'invite des danseurs contemporains à les rencontrer dans ce moment de fragilité où ils se révèlent autrement. Sur ce projet, j'ai fait une audition et c'est des personnes qui sont très très différentes. Ils sont aussi très loin de ma manière d'aborder le travail. Et ensemble, on se bouscule. On se bouscule tous. Et je pense que c'est à cet endroit-là que la création nous attend. J'ai besoin que ça se construise directement, enfin, que ça se construise plus rapidement dans le SWAT. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que là, vous marchez, il y a une zone de flou. Et on ne comprend pas où est la structure. Okay? À partir du moment où vous partez, on essaie de retrouver la structure. La structure du soir. Oui, bah j'ai besoin de savoir que vous êtes ensemble et que tu intègres leur ligne. Ouais. Allons-y, du coup, on va faire de là, de votre sortie et de votre sortie là-bas. On continue, j'ai besoin d'avancer. Et on voit la suite. Et on voit la suite, s'il vous plaît. Ouais. La danse contemporaine, je pense, sert à ça. C'est avoir la liberté un peu de... se donner cet espace où on peut questionner profondément les choses et essayer de voir comment ça peut résonner chez le spectateur. Ouais. Ça, les filles, tout à l'heure, quand ça s'est produit, vous étiez là. Une fois le travail fourni, il ne vous appartient plus, il appartient au public. Et le public, lui, peut adhérer ou non. Et en termes de création, on ne sait jamais où on va. Donc, la notion de danger, c'est le quotidien. C'est mon ami, il est là avec moi. Des fois, il me titille un peu. Mais c'est ça qui nous anime, en tout cas. Je suis à un endroit où je dois proposer un équilibre entre lumière, danse, scénographie, musique. Tous les ingrédients nécessaires pour faire une bonne pièce. Et c'est pour ça que j'ai souhaité... inviter un scénographe pour travailler avec moi. On est parti sur une structure qui puisse être présente et qui se déploie pour réorganiser l'espace autrement. Tout comme je souhaitais partir de la danse classique et la déployer pour qu'elle devienne autre chose. Ce qui m'anime avant tout, c'est ce qui se passe sur le plateau. Et la véracité du propos sur le plateau. Après, le reste, ça ne m'appartient plus, c'est le public qui décide. Le Quai, espace de création et de spectacle, est né en 2007. C'est un lieu où s'inventent et se partagent tous les arts vivants, plastiques, numériques, scéniques et lyriques, mais aussi le cirque et les musiques. Le Quai est à la fois un théâtre, un centre dramatique national, un centre national de danse contemporaine
et une école de danse. Développée autour du triptyque création, formation, animation urbaine, l'architecture du théâtre favorise l'urbanité. Elle permet de resserrer les liens entre le temps du spectacle, le temps pédagogique et la ville. Installée sur le front de Maine, Le Quai relie l'architecture médiévale et contemporaine d'Angers. C'est presque déjà la... Le restaurant, ça permettra peut-être... C'est déjà presque la tapisserie d'Apocalypse ici. Alors nous sommes à L'Entracte, qui est un restaurant angevin. Alors la particularité, c'est que vous aimez bien cet endroit. Pourquoi ? Bah disons que c'est... D'abord, on reçoit des personnalités ici qui font le passé, mais quelquefois qui restent aussi une semaine. Donc il faut bien les traiter aussi. Donc il faut être attentif à l'aspect des choses. C'est une ville accueillante et c'est une ville qui sait offrir ce type de restaurant. C'est-à-dire un endroit, pour moi, très angevin, très discret, très cosy, avec ses vitraux, avec ce décor, avec cette qualité acoustique, etc. Ce qui fait qu'on peut venir ici, jamais se sentir oppressé par la foule, qu'on peut avoir des discussions un petit peu discrètes, être très à l'aise et rester une heure, deux heures ou trois heures. Donc c'est vraiment un lieu que d'ailleurs les invités aiment beaucoup. Alors évidemment, quand on vient ici, et quand on est là tous les deux, on pense à quelqu'un qui a été important pour vous, et qui a été aussi important pour le festival, cette actrice, cette grande dame, c'est Jeanne Moreau. Je ne me doutais pas, quand je l'invitais, c'était pour le 15e anniversaire, pour présider le jury, je ne me doutais pas de ce qu'elle arrivait à partir de ce jour-là. Bon. C'est-à-dire qu'elle est venue dans un festival qu'elle connaissait de loin, elle n'a jamais se déplacé ici. Et puis, bon, c'était pas non plus nos habitudes d'aller chercher des stars de cette dimension. Mmh. J'avais une petite difficulté avec elle, c'est que le premier jour, je lui demande si elle a bien dormi, et elle me dit non. Et puis le deuxième jour, je lui demande si elle a bien dormi, elle me dit non. Aïe. Le troisième jour, je lui demande si elle a bien dormi, elle me dit non. Je lui dis, mais il y a un problème d'hôtellerie, il y a un problème de literie, il y a un problème de quelque chose. Et je lui fais un peu comprendre, elle me dit, non, Claude-Éric, vous ne comprenez pas. Je dis, bon, qu'est-ce que j'ai pas compris. Tout simplement, quand vous voyez trois films, quatre films par jour de cette qualité-là, vous comprenez, ça vous empêche de dormir. Vous comprenez ça ? Vous êtes bouleversé. Vous êtes bouleversé. Elle me dit ça. Vous voyez, c'était quand même quelqu'un qui vous dit, cache des choses comme ça, sans faire de fioritures directes. Tout de suite, c'est passé entre le festival, son ambiance, je pense, les gens qui sont ici et qui l'organisent, et en même temps, les invités qu'on avait, les jeunes cinéastes, et puis le public. Elle adore le public. Donc elle se mêlait au public de façon absolument systématique. Jamais de tapis rouge. Mais c'est aussi à cette table, je me souviens que ce sont un petit peu dessinés le projet aussi des ateliers d'Angers. Puisque... Alors ce ne sont pas des cours de scénario hein. Non, l'idée qu'elle a eue était une idée très originale, mais ça n'était pas sur le scénario. Non, c'était plutôt, et là c'est une idée d'artiste, disant voilà, vous savez, ce sont des gens qui sont angoissés. Vous voyez, un film, vous allez diriger 100 personnes pendant... plusieurs mois, plusieurs semaines et plusieurs mois. Vous allez attendre, vous allez avoir à décider de beaucoup de choses, vous allez avoir à être sûr de vous, vous allez avoir mais à douter aussi. Mais tout ça, ça peut être assez difficile à vivre. Mmh. Et surtout quand on fait un premier film. Et elle avait cette idée. Elle dit, je veux les rassembler là, je veux qu'ils soient 7, 8, 10 autour de moi et qu'on puisse parler de ça. Il y avait ce côté qu'elle avait à l'âge où elle était, de transmettre et d'aider, quoi. Donc, tout le monde la tutoyait, elle parlait rapidement avec tout le monde, et c'était véritablement quelque chose, on perdait pas de temps, voilà. Et ce dialogue-là, et cette, comment dire, je voyais des cinéastes qui sortaient rassurés, et rentraient après dans leur pays, en disant comme ça, j'ai passé 8 jours avec Jeanne Moreau, il avait invité à Mosguitaï, on avait dit ça, et les gens disaient, ah bon, comment tu fais ça, ça te coûtait combien? Rien du tout, parce que c'était gratuit, et en même temps, Jeanne se donnait complètement à ça. Donc, je crois que ça a été, ça reste, puisque même sans elle, aujourd'hui, on continue ces ateliers, exactement sur le même esprit. Et ça marche. Oui. Matou et Sophie sont angevines et voisines. L'une est illustratrice, l'autre romancière. Elles se définissent comme des ultra-optimistes. Un état d'esprit qu'elles ont mis en commun dans l'album « Et puis Colette », un concentré de tendresse et de bonne humeur. Une BD feel-good disponible en numérique et sur papier.
De quoi charmer toutes les générations et aussi Artothèque. C'est l'histoire d'une petite fille qui devient orpheline et puis d'une adulte qui se trouve investie d'une mission qu'elle ne peut pas trop refuser. C'est savoir qui va apprivoiser l'autre et qui va apprendre le plus à l'autre. Et sans trop en dévoiler, je peux dire que Colette, qui est la petite fille, va principalement plus éduquer et apporter à Anouk que l'inverse. J'avais vraiment envie d'explorer encore d'autres facettes du métier, enfin de l'écriture, et de partir vers le scénario. Elle m'avait donné en fait l'idée de partir sur un roman graphique. Elle cherchait un peu une histoire à raconter. Elle est connue surtout pour ses clins d'œil joyeux. Et moi, qui connais Matou, je sais qu'elle avait vraiment envie de partir vers quelque chose de plus profond. C'est ça la magie des textes de Sophie et de l'histoire qu'elle a créée. C'est toujours entre humour et mélancolie, tristesse et joie. Et c'est vraiment le cœur du sujet. Et là, elle lui dirait ça, tu vois. Elle lui dirait, elle pourrait se donner la main, je pense. Elle pourrait se donner la main à ce stade-là de l'histoire. Oui. Ouais. Si, elles sont parties pour l'école. Elles se marrent un peu avant l'école. Ouais, voilà. Colette fait tourner Anouk en bourrique. J'avais découpé, moi, de mon côté, l'histoire en chapitres. Et à chaque fois qu'on se réunissait autour d'un café, effectivement, on prenait un chapitre et puis on le décortiquait. Et ensemble, on voyait un petit peu. Moi, je vous disais les dialogues qui étaient absolument clés, qu'il fallait qu'on intègre pour le déroulé de l'histoire. Et elle me décrivait au fur et à mesure sa vision de l'histoire de façon très cinématographique. Donc, c'est placer les personnages, placer les postures, placer les décors, le découpage, temps de case, où est-ce qu'on place les bulles, etc., etc. Pour pouvoir confirmer avec Sophie que ça nous convient, que l'histoire est fluide, le faire lire quand même à quelques lecteurs tests pour voir si ça se tient, s'il y a une cohérence, etc. Il y a aussi un regard de l'éditeur à ce moment-là. Et à partir du moment où on est tous d'accord dessus et qu'on est content, moi, je passe au crayonné page par page. C'est-à-dire que je reprends le storyboard que j'ai à côté de moi, mais moi, je redessine tout au crayon de bois. Puis ensuite, après, j'encre au crayon. Je gomme, très longue étape, le gommage. Je scanne et après, toutes les couleurs se font numériquement sous Photoshop. Bon, tu veux un café? Tout va bien? Ça va bien. Ouais. Merci. À chaque fois qu'on se retrouvait, moi j'avais vraiment l'histoire brute de décoffrage et je découvrais à l'intérieur les vêtements, la déco qu'elle mettait et c'était une grande joie. Donc voilà, c'était vraiment de la couleur complètement injectée en perfusion dans mes mots, quoi. Le graphisme et les dessins vont permettre d'adoucir un petit peu le texte et permettre de rapporter un peu de joie, un peu plus de mélancolie que de tristesse, surtout dans les chapitres où elle se découvre, à partir du chapitre 3-4, plus de fantaisie qui sont apportées avec des déguisements licornes, voilà, des petites touches graphiques joyeuses et rigolotes qui vont permettre d'adoucir et d'alléger le contenu du texte. La création, c'est mon métier, c'est ce que je fais tous les jours. On me dit, mais vous faites quoi? Ou même Sophie, on lui dit aussi, vous faites quoi de votre vie? Et moi, je dis, bah, moi, je dessine. Et les gens me disent, oui, mais sinon, à part ça, je fais, oui, bah, c'est, je fais que ça, en fait. Et ça surprend beaucoup les gens. Donc, c'est la chance de pouvoir vivre de sa passion. C'est aussi beaucoup de contraintes et beaucoup de difficultés. Mais c'est vraiment nécessaire, quoi, de pouvoir créer, d'être dans cette création-là tous les jours, quoi. C'est un refuge pour moi et à la fois c'est un grand moment d'égoïsme où je me fais plaisir et que je me paye le luxe de partager ensuite. La création, c'est aussi se servir de tout ce qui est autour de nous pour fabriquer n'importe quoi. À chaque fois, je me dis que finalement, tous les livres qu'on trouve, les BD, on a, au départ, la base, c'est l'alphabet. Hein, et finalement, avec ces 26 lettres, ben, on écrit autant d'histoires qu'on veut. Donc c'est vraiment le vertige de la liberté. Alors quand on est au cinéma Les 400 coups, on se fait une toile. Et quand on est au château d'Angers, une tenture. Et pas n'importe quelle tenture. Magnifique tapisserie de plus de 100 mètres de long qui raconte l'apocalypse de Saint-Jean. Pourquoi avoir tenu à nous amener dans cette galerie si particulière, Claude-Éric Poirot? Parce qu'on tient chaque année à proposer aux cinéastes qui viennent d'Angers à ce qu'ils en aient connaissance et qu'ils viennent y passer un moment. Et je sais que beaucoup d'entre eux, après, nous en savent gré, parce qu'ils nous disent comme ça, on ne savait pas forcément que ça existait. Et quand on voit cette dimension-là, quand on voit cette apocalypse, pour eux, c'est une révélation. Pourquoi? Donc, parce qu'on n'est pas seulement devant une tapisserie, on est devant un storyboard.
de cinéma. Ah oui, une grande bande dessinée. Oui, ça peut dire beaucoup de choses à beaucoup de cinéastes, parce que je crois que c'est effectivement, d'abord, il y a une immensité, il y a une vision, on ne peut pas ne pas rêver à tout ce qui est raconté là. Il y a une vraie histoire, comme vous dites. Ensuite, il y a une forme de représentation, alors là, qui est effectivement un peu mythique et un tout petit peu symbolique, allégorique. Alors, le cinéma est quelquefois plus réaliste, mais c'est aussi intéressant de voir comment aujourd'hui on peut nous raconter des histoires avec des dragons, etc., et qui concernent notre histoire, quoi. Et comme ici, ces tapisseries, lorsqu'elles ont été créées, elles ont été créées à une époque où le monde n'allait pas bien non plus. En effet, avec la peste, avec des guerres. Oui, c'est la guerre de 100 ans, la peste noire. C'est aussi le cinéma aujourd'hui. Il est dans le monde. Donc je crois que c'est une façon aussi de représenter le monde avec des moyens qui sont artistiques. Et là, évidemment, c'était la tapisserie, c'était la peinture aussi à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est le cinéma. Donc je crois que c'est quelque chose qui parle à des cinéastes. Et je crois qu'ils sont attentifs. Chacun doit y voir un peu son monde, doit y voir quelque chose qui lui révèle. D'où les ateliers que vous avez créés dans le festival Premier Plan. Oui, d'ailleurs, Jeanne Moreau incluait toujours la visite de l'Apocalypse pour tous les résidents des ateliers. Et eux aussi, ils en revenaient en disant c'est sans doute une des choses les plus importantes qu'ils ont vues pendant leur semaine. Donc c'est pour vous dire quand même que le déplacement à Angers dans ce festival, c'est aussi vers l'Apocalypse et en revenir. Ouais. Alors le cinéma, c'est un langage, et vous y tenez beaucoup, un langage dans lequel la mise en scène a une importance toute particulière. Pourquoi, à vos yeux, elle n'est pas suffisamment prise en compte par les cinéastes ? Ben, nous, quand on voit effectivement 2500 films, qu'on en choisit 100, on essaye de voir pourquoi on choisit 100 films et qu'on en laisse de côté. Parce qu'il faut quand même que ces films ils représentent quelque chose qui est du style, avoir du style. Alors maintenant, c'est difficile à définir. Mais aussi, quand on produit un film et qu'on a un dialogue avec un cinéaste, on essaye d'écouter et d'entendre de sa part comment il voit aujourd'hui, ben, d'abord son histoire, son scénario, on a besoin de ça. Ensuite aussi, de voir comment il va mettre ça en lumière, comment il va y avoir du mouvement, comme ici. Hein. C'est vraiment quelque chose qui mélange tellement de choses. Le cinéaste est tellement au cœur de tout ça que je crois que c'est important aujourd'hui que les jeunes cinéastes, quand on les fait venir ici, ils aient quand même cette responsabilité de produire un film qui est quand même une forme aboutie et en même temps aussi une vision artistique. Et ça, c'est une vision. Ça, c'est clair qu'il y en a une. Pour n'importe qui vient là, c'est frappant. Je crois qu'aujourd'hui, bon, quand on voit effectivement cette représentation-là, on se dit tous ces épisodes qui sont là, un peu cryptiques quelquefois, on n'est pas toujours très très au courant de ce que ça signifie au fond. C'est vrai. Mais là aussi, c'est une forme artistique allégorique qui parlait au public de l'époque, qui parle encore aujourd'hui à nous, comme le cinéma doit parler. Et pour parler aux gens, encore faut-il qu'il ait de la forme. Donc Anne-Juliette, tu es la programmatrice du cinéma Les 400 coups. Comment on fait pour choisir et programmer 470 films par an ? Action ! On voit des films, on négocie près des distributeurs, puisque tous les films qui sortent en France, ils sont distribués, ils ont un distributeur. Donc le distributeur, c'est mon interlocuteur. Et avec lui, très en amont évidemment de la sortie, des dates de sortie, je vois quels films peuvent nous intéresser. Il y a aussi eux qui nous en proposent énormément, même il y a beaucoup de petits distributeurs qui proposent des films. Donc après, on voit quels films on va sortir, à quelle date, quel nombre de séances on va faire, combien en durée aussi, combien de temps on va le garder. Et donc, une fois que j'ai tous ces éléments-là, le vendredi, je fais un peu ma grille idéale. Je me dis, bon, sur ce film-là, il a démarré de cette manière, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que le week-end, c'est là où il y a le plus de monde dans des salles comme les nôtres, et au niveau de la France, c'est quasiment partout de la même chose. Et le lundi matin, donc une fois que j'ai toutes les entrées, je vais modifier ma grille du vendredi, parce qu'il faut qu'à 13h, tout ça soit bouclé, qu'on ait tous les horaires, toutes les répartitions des films, avec évidemment des durées de films très différentes, et que pour que ça puisse partir à la presse, que notre hebdo soit imprimé, qu'on en lance ça sur les réseaux sociaux, et voilà, et le film va être dans la salle. Merci Anne-Juliette. Tout le plaisir est pour moi. Non, c'est moi qui l'ai mal calé. D'accord. Allez, on va la tourner, tout le monde en position s'il vous plaît. Action ! Dans une web-série, le champ de tous les possibles est ouvert.
Rémi Noël et Sullivan Le Corvic l'ont découvert avec Random, une série paranormale tournée entièrement à Nantes. Réunis autour d'une même passion, l'enseignant en écriture de scénario et le conseiller principal d'éducation poursuivent un objectif, raconter la vie de gens normaux confrontés au surnaturel. Coupé. C'était vachement bien. C'est cool. Son, dans mon esprit, justement, c'était une espèce de vision qui n'est pas de l'ordre de la schizophrénie. Tu vois. Oui, mais bien sûr. Tu vois, qui est le genre d'une apparition un peu plus mystique. Quelque chose de plus mystique, oui. Mais si c'est pour avoir un effet igueugueux, c'est pas possible. Je préfère que ça toque. Non, et puis il ne faut pas oublier que cet épisode 9, il y a beaucoup d'apparitions, disparitions d'Alan déjà. Très bien. J'attends votre rapport. Là, tu vois. Ouais, ça c'est nickel, paf paf. Là par contre, tu t'en fous, le fond vert, tu peux le gicler. Pareil ici, hein, et tac. Mais ce qui est génial, c'est que le raccord il fonctionne tout de suite. Et rendu là, moi j'ai pas l'impression qu'il est suffisamment proche d'Alex. Dans l'idée, c'était le côté on est toujours sur son champ contre champ, champ contre. Oui. Vraiment, on s'y attend pas. Tu replaces le subjectif dans la conversation en off, tu reviens sur lui ou sur elle, je sais pas, et elle tourne la tête son subjectif. Ouais. Toi, tu l'amorces, tu l'annonces avant qu'on revienne dans son point de vue. On va pas quoi. Transpirer à chaque fois sur ce passage-là. On fait ça et. Tiens-toi prêt. Ils t'attendent. Tiens. Ouais, on reste là-dessus, c'est très bien. Le Human Beatbox, littéralement boîte à rythme humaine, a ses héros, comme Alex Signeau, champion du monde de la spécialité. Depuis l'âge de 13 ans, ce jeune angevin bat la mesure avec sa bouche. Un véritable sound system qui lui permet d'accomplir des prouesses vocales. C'est dans le sous-sol du café angevin et Rock Coco qu'Alex Signeau a fait ses premiers pas. On n'utilise pas que notre voix dans le beatbox, on l'utilise forcément, mais on utilise aussi nos lèvres, nos dents, la langue, voilà, la glotte, voilà, tout le système buccal. Hein. Quelqu'un qui aimerait apprendre le beatbox, on lui apprend les bases de la batterie. Donc ça passe de la grosse caisse, un P, 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 le Shirley, représenté par un T, 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 et la caisse claire qui peut être réalisée de différentes façons. Donc c'est une caisse claire inspirée, c'est un son inspiré, représenté par un K, peut être en expiré aussi, ou PF. On a la chance, en tant que beatboxer, de ne pas avoir forcément besoin de guitare ou de support pour faire de la musique. Donc quand on est aux toilettes, quand on est dans la douche, quand on est dans la rue, on peut beatboxer quand on veut. Alexino. J'aime bien reproduire des sons d'aujourd'hui assez électroniques. J'aime bien faire beaucoup de techno, j'aime bien faire de la drum and bass, la trap music, du hip-hop. Moi, j'ai un personnage qui est assez amusant et très, très énergique. Et je pense que ça joue beaucoup, c'est un des critères de jugement dans un battle de beatbox. Le côté réponse est super important dans le jugement aussi. Donc moi je me suis beaucoup amusé à faire ça et ça fait souvent mouche pour le public et pour le jury. Make some noise. Le beatbox, pour moi, quand il est vraiment représenté, c'est sur scène. Sur scène avec une sonorisation live. Voilà, le fait que ce soit puissant, qu'on entende tous les sons, qu'il y ait différentes couleurs de sons, ça montre que le beatbox, c'est de la musique et c'est un art à part entière.
On est maintenant dans le Saint des Saints. Pour quelqu'un qui aime le cinéma, c'est la cabine de projection, que ce soit en 35 mm ou que ce soit en numérique. Aujourd'hui, voilà, la cabine, ça reste un lieu important. Fondateur, est-ce que le cinéma est quelque chose de nécessaire, d'indispensable selon vous? Pourquoi devons-nous aller au cinéma? Les films sont faits pour les salles. Les réalisateurs, évidemment, les techniciens ne pensent qu'à la salle de cinéma. On imagine un film que sur un grand écran, avec un son qui vous enveloppe. En plus, l'écran, il est plus grand que vous. C'est ça aussi l'imaginaire du cinéma. Godard dit bien que quand on va au cinéma, on regarde vers le haut. Quand on regarde la télé, on regarde en bas. Donc c'est vraiment un univers qui est un univers totalement rêvé, totalement imaginaire. Donc je pense que ça a un effet. Et cet effet, on ne le retrouve que dans une salle. Et puis le cinéma, ça questionne. Oui, le cinéma, c'est le seul endroit, je pense, dans une ville où il y a encore des débats, publics, après un film, avec un artiste, avec un comédien, avec un producteur, avec un technicien, un professionnel, pour parler de quoi? Du film, mais du monde aussi dans lequel on est. Il n'y a plus d'espace aujourd'hui de discussion. C'est quand même rare. Donc je pense aujourd'hui que c'est un lieu qui est un lieu dont il faut profiter dans sa totalité. Vous vous souvenez sûrement de cette émission cultissime qui s'appelait Cinéma, Cinéma, et ce générique, vous voyez ces portes qui s'ouvraient, et surtout ce faisceau de lumière sous les portes. Ça résume bien le cinéma, ça. C'est les portes d'Alphaville qui s'ouvrent sur un monde à chaque fois. Ça fait aussi penser à Freud qui dit que l'inconscient, c'est simplement un rayon de lumière sous une porte qui fait penser que derrière, il y a un autre monde. Il existe. Et je pense que quand on va au cinéma, ça nous permet à la fois de regarder le monde tel qu'on ne le vit pas. On vit par procuration, peut-être par évasion aussi, mais aussi par introspection. Parce qu'on est content de voir des acteurs qui ne font que nous représenter et vivre à notre place quelque chose. Bon, j'ai compris. Parlez de nous. Il faut que je laisse tomber un peu la télé quoi, et les autres écrans. Vous pouvez regarder votre télé et votre ordinateur, mais au moins une fois par semaine, minimum, il faut venir voir un film dans une salle de cinéma. Personal Jesus est l'un des titres les plus connus et les plus rock de Depeche Mode. Le célébrissime duo nantais Kokomo en a fait une reprise sur Vitamini qu'ils ont immortalisé il y a quelques mois dans un clip tourné au Théâtre Gralin à Nantes et aujourd'hui gravé sur vinyle. Qui a osé dire que le rock était mort? Depuis une pincée d'années maintenant, Kevin et Warren prouvent le contraire, avec une batterie explosive, une guitare incandescente, une énergie de fou et un talent de dingue. Claude-Éric, on a parlé du cinéma Les 400 coups, que vous avez créé, dont vous êtes le patron. Vous dirigez aussi Europa Cinéma. C'est quoi ce truc? Ça sert à quoi?
Ben, c'est un réseau de salles, un petit peu comme les 400 coups, sauf qu'elles sont disséminées dans 700 villes en Europe. Et c'est des salles de cinéma professionnelles, ouvertes au public, qui marchent souvent très bien d'ailleurs, mais qui ont pour vocation de consacrer 50% de leur programmation au cinéma européen. C'est soutenu par la Commission, c'est une belle action politique, citoyenne de l'Union européenne. Une belle idée européenne. Oui. Facile à vendre. Oui, absolument. Et c'est tout près du citoyen, les meilleurs films, et en même temps, le respect des cinéastes de notre continent. Alors, vous avez à peu près tout fait dans un cinéma, on l'a vu, et pour le cinéma, à l'exception d'un métier, celui de réalisateur. Moi, là, j'ai besoin que vous m'expliquiez. Oui, comment mais ça se fait? Je me suis très vite trouvé à l'aise dans le métier de... Enfin, dans la proposition d'être un transmetteur, de montrer des films, de les distribuer, de les produire, de les diriger un festival pour les montrer. Moi, je me suis très bien senti là-dedans. Et donc, comme auxiliaire des cinéastes, j'étais parfaitement à l'aise. Je le suis toujours. Ça m'a traversé l'esprit, c'est vrai, un moment de peut-être faire devenir réalisateur. Maintenant, je me suis dit, je ne serai jamais Orson Welles, donc je me dis, ah bah, à quoi bon? Ah bah tiens, Orson Welles, vous l'avez rencontré. Et pas qu'une fois. Alors, Orson Welles, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire une programmation dans les salles que j'avais à l'époque à Paris, au Forum des Halles, et je lui avais envoyé une lettre pour lui demander de venir présenter les films. Évidemment, c'était une lettre un petit peu sans attendre de réponse, et soudain, je reçois une réponse, un lundi matin. Il dit oui. En me disant, demain, je serai dans votre salle de cinéma, à Paris. Donc on a tout préparé, on a prévenu la presse. Évidemment, Orson Welles à Paris, les salles étaient bourrées. Il y a eu un dialogue formidable. C'est un monsieur qui était évidemment un peu à l'apogée et en même temps à la fin de sa vie, puisqu'il est mort 3 ans plus tard. Et on a été, c'est un moment exceptionnel et intense pour quelqu'un qui est simplement exploitant dans une salle à Paris. Un grand moment de vie. On doit vous demander souvent quel est votre film préféré. Oui, alors c'est jamais facile de répondre, parce que c'est vrai qu'il y en a plein. Maintenant, quand je suis devenu distributeur, c'était pour c'était pour distribuer un film. C'était pour ressortir Le Mépris, qui n'était pas sorti depuis 20 ans. Pas n'importe quel film. Non, Godard, j'adorais ce film. Et j'avais été l'acheter à Rome, à des Américains d'ailleurs, qui étaient coproducteurs. Et c'est eux qui avaient les droits de Moravia, etc. Et puis, je l'ai sorti en France. Et donc, j'étais devenu distributeur grâce à ce film. Et puis, en même temps, puisqu'on est aux 400 coups, juste en face, l'hommage à Truffaut. Il y a aussi, ici, des couleurs. Le rouge, le bleu, le jaune. Qui sont quand même les couleurs de Pierrot le Fou. Donc, c'est aussi un hommage à Godard. On a passé une journée ensemble, on se connaît bien. Je pense qu'on s'est apprécié. Suffisamment pour qu'on partage une séance? Let's go. Ça, c'est sympa. Merci beaucoup, Claude-Éric Poirot. Et sans popcorn. Sans popcorn.